Bonjour les amis. Dans ce tuto, nous allons voir de nouvelles têtes. Effectivement, les 360 Aid Makers. Vous les voyez ici, il y en a plusieurs, avec plusieurs styles d'expression. Nous allons voir comme il est facile de changer le visage d'un personnage. Je prends ce personnage-là, je le pose sur la tête de mon personnage à moi. Je passe en mode composer et j'agrandis un peu la tête pour qu'elle soit à la bonne dimension. On peut utiliser la tête sur n'importe quel personnage 360. Ensuite, on vient dans Aid et on va ici changer la barbe et prendre un collier un peu plus discret. Voilà. Collier qu'on va pouvoir ajuster en 360, nous le verrons un petit peu plus tard. Je lui change également les sourcils, vous voyez que c'est très facile, on a toute une batterie d'éléments. Et je vais lui changer les oreilles, lui mettre des petites oreilles. Il a des grandes oreilles, je mets des petites oreilles, celle-ci par exemple. Vous voyez que la tête change complètement d'aspect. Maintenant, on va vérifier que tout ça est bien posé sur le 360 en regardant un petit peu chaque mouvement de tête. Vous voyez qu'ici, il va falloir replacer un petit peu la barbe. Je vais passer en rapide pour vous faire le reste. Rien de bien compliqué. Je trouve que ce pack apporte pas mal de choses dans la création des personnages. Voilà, notre personnage est bien défini. On va regarder ce que ça donne en lui faisant bouger la tête. Voilà, c'est pas mal, il a un gros bouton sur le nez, le pauvre. Et vous voyez que les choses restent bien en place. C'est totalement correct. Je peux même décider de lui mettre les cheveux. C'est ce qu'on va faire là. Donc on repasse en mode composer. On vient dans le Content Manager. Chercher les cheveux. Et là, c'est pareil, on a toute une batterie de cheveux assez importante. Garçon, fille avec chapeau, sans chapeau. Vous avez même avec des petites cornes. Je pense qu'ils se sont bien amusés à faire tout ça. On va prendre celle-ci. Voilà, ça se positionne automatiquement et vous allez voir, ça reste bien en place quand on met une animation de la tête. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très facile. Je vais mettre une animation du corps pour finaliser la chose. Et voilà notre personnage. Pour les filles, on va choisir Eve et on va la transformer en une personne avec un gros nez. Donc je viens dans Aid, toujours dans Aid Maker, et là je viens chercher un autre visage. Vous voyez que sous chaque visage, il y a la caractéristique de ce visage.
là on a une fille plutôt mannequin, on va un petit peu lui enlever ce côté mannequinat justement, et on vient chercher ici les sourcils. On va mettre des sourcils un peu plus marqués. Voilà. On va lui changer la bouche, lui mettre une bouche un peu plus marquée, elle aussi. On peut essayer celle-ci, mais bon, elle fait un peu la moue, donc on va plutôt mettre celle-ci. Voilà, petite bouche. Et qui dit petite bouche, dit grand nez. Donc on va changer son nez. On va lui mettre un gros nez. Il va un peu la défigurer, je vous l'avoue. Mais c'est pour vous montrer la facilité avec laquelle on va pouvoir créer des personnages très différents les uns des autres. On va revenir en stage mode et refaire cette rotation du visage. Vous voyez qu'elle est parfaite. Je vous conseille fortement de vous procurer ce pack, sachant que vous allez avoir 10% de réduction si vous passez par ma boutique, dont l'adresse s'affiche là-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.